Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une application désignée comme application de l'année. Elle permet de sauvegarder, découvrir et recommander les meilleurs liens du web. Elle regroupe d'une manière intelligente plus de 300 types de liens et réseaux sociaux comme Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest et aussi WhatsApp et Messenger. Les détails juste après la pause. Notre application dite plus AS est disponible pour ordinateur, Android et iOS. Elle permet en plus de découvrir des milliers de tags et accéder facilement au contenu que vous aimez. Elle permet aussi de découvrir en un clic les liens et contenus partagés par vos amis. Et aussi, tous les liens vous donnent accès aux liens et profils de célébrités, amis, services comme par exemple hôtel, restaurant, ainsi de suite au shop. Alors, vous pouvez l'utiliser soit via votre ordinateur ou votre téléphone ou tablette Android ou votre téléphone qui tourne sous iOS. Alors, premièrement, il faut créer votre tag. Donc, on va faire la présentation sur l'ordinateur. Même chose, vous pouvez le faire sur le tablette. Alors, premièrement, vous devez créer votre tag. Pour cela, vous allez cliquer ici sur Create. L'application va vous demander est-ce que vous voulez vous enregistrer avec votre compte WhatsApp, votre compte Twitter ou votre compte Google. Pour ma part, je vais choisir donc WhatsApp via WhatsApp. Voilà. Alors, maintenant, vous allez ici mettre votre nom, soit le nom de votre activité, si vous avez une entreprise, si vous êtes chanteur, si vous avez un hôtel, un restaurant ou une chaîne YouTube, vous allez mettre le nom ici. Pour vous montrer, je vais directement chercher donc mon lien ou mon tag. Mon lien ou mon tag contient jusqu'à maintenant 4 liens. Donc, le lien de ma chaîne YouTube, le lien de mon compte Twitter, le lien de ma page Facebook et ici, donc, le lien de mon site Internet. Pour accéder à n'importe quel lien, je vais toucher ici, je vais être redirigé directement vers ma chaîne YouTube, comme vous remarquez. Même chose, donc, pour Twitter, Facebook et alors, vous pouvez ajouter des liens. Pour vous montrer comment ajouter les liens, on va passer au téléphone. Alors, les liens pour installer l'application, vous les trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc, moi, j'ai déjà installé l'application plus à sur mon téléphone. Je vais y accéder. Alors, vous allez sur les trois lignes horizontaux ici. Ici, vous avez « Account », ça veut dire « Votre account »,« Discover », ça veut dire « Rechercher »,« Favorite »,« Historique » et « les paramètres de l'application. Alors, pour ma part, je vais toucher mon account. Voilà, j'ai déjà donc ici mon account. Je vais toucher My Tag et voilà My Tag. J'ai ici donc le nom que j'ai choisi. J'ai choisi www.canalmalak.com. C'est pas obligatoire de mettre sous forme d'un site donc de www. Non, vous pouvez simplement comme vous le souhaitez. Donc, j'ai ajouté le lien de ma chaîne YouTube, celui de mon compte Twitter, celui de ma page Facebook et mon site Internet. Alors, pour ajouter un lien, vous allez toucher ici « Tap here to add a new link ». Cliquez ici pour ajouter un nouveau lien. Vous touchez ici. Et là, vous avez « Selected ». Vous allez après toucher « Selected » pour choisir. Alors, voilà les types. Est-ce qu'il s'agit d'un compte Facebook, un compte Twitter, un compte YouTube, Google Plus et ainsi de suite. Et ici, type. Et ici, un lien. Ici, c'est pour ajouter les liens. Type, vous allez préciser votre type. Dans votre type, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter n'importe quel autre lien. Après, on va choisir par exemple lien, juste pour vous montrer. Ici, vous allez ajouter le lien. Une fois que le lien est ajouté, vous avez ici la possibilité de tester le lien ou de sauvegarder le lien. On va cliquer par exemple sur sauvegarder et voilà, le lien a été bel et bien ajouté. Supposons que vous souhaitez supprimer un lien. Vous allez venir ici et toucher, voilà, le lien est supprimé.
Je vais supprimer même ce lien parce qu'il est vide. Aussi celui-là. Puis vous pouvez toucher, vous allez toucher Save pour enregistrer. Là, vous pouvez donc uploader une photo que vous allez ajouter à votre tag ici. C'est ça, votre tag. Votre tag, c'est l'ensemble, c'est le nom ainsi que l'ensemble des liens. Alors, à quoi sert de créer ces liens? Ces liens, une fois créés, donc vous allez pouvoir les partager. Donc, on va faire mettre Discover, c'est pour rechercher. Là, voilà, par exemple, le nom de ce David Betch. Voilà les liens de toute cette personne. Donc, c'est le lien de son compte Facebook, le lien de sa chaîne YouTube, Google Plus, et ainsi de suite. Donc, pour votre cas, vous pouvez donc enregistrer le tag, vous pouvez le partager. Comme vous remarquez, il a 60,49,1 kg de tag, ça veut dire son tag a été vu par 47 100 personnes. Donc ceux qui suivent cette personne sont 6 610 kg. Donc ces liens ont été visités par 25,4 kg et ces tags ont été partagés par 5,57 kg. Donc c'est très intéressant. Voilà donc le but. Le but de créer votre tag, ça va vous permettre premièrement de réunir tous vos liens, surtout ceux des réseaux sociaux ainsi que d'autres, votre numéro de téléphone, et puis vous allez donc les partager. Vous allez avoir des personnes qui vont vous suivre à travers l'application, qui vont aussi partager vos liens. Pourtant, c'est très pratique d'utiliser cette géniale application qui va nous permettre premièrement de partager nos liens et d'accéder aux liens et au contenu de nos amis et aussi des personnes de célébrités. Alors pour rechercher, vous allez toucher toujours ici et là vous pouvez mettre le nom de la personne à rechercher. Donc c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.